Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Danone. Le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre à 6,45 milliards d'euros, soit une augmentation en données comparables New Danone de 4,7%. Cette croissance reflète une hausse des volumes de 0,4% et une progression en valeur de 4,3%. Le chiffre d'affaires en données publié a lui enregistré une croissance de 16,6%. Les analystes de l'Obsa sont aussi sur Danone et visent des cibles à 73,75 €. Seconde valeur, Casino. Le groupe a publié pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 9,22 milliards d'euros en hausse de 1,9% à données publiées et de 3,4% sur une base organique. Néanmoins, les analystes de l'Obsa restent baissiers sur Casino et visent des cibles à 45,30 € et 43,30 €. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Airbus. Le titre vient de reprendre appui sur le seuil pivot des 76,50 €, seuil pivot car cette zone correspond à l'ancien sommet du canal de consolidation formé entre juin et septembre 2017. Du côté des indicateurs techniques, le RSI vient de reprendre appui sur son seuil de neutralité de 50%, au-dessus de 76,50 €, visé 82,25 € et 86 €. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call H998T émis par UniCredit, de prix d'exercice à 80 € et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. Il s'est extirpé le 11 septembre dernier d'un canal descendant en formation depuis le 8 mai 2017 et évolue désormais entre la borne haute de ses bandes de Bollinger et sa moyenne mobile simple à 20 séances. Le biais reste haussier au-dessus de 5 231 points avec des cibles à 5 442 points et 5 800 points en extension. À cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 6044T émis par UniCredit, de prix d'exercice à 5 300 points et de maturité au 20 avril 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à demain.